Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. Des lésions des mâchoires, un menton trop en arrière ou une reconstruction du visage, la chirurgie maxillofaciale est une large spécialité créée après la Première Guerre mondiale pour soigner les soldats. Pourtant, on ne parle pas de chirurgie esthétique. Pour quelles raisons? Quels patients sont concernés et avec quels résultats? Pour répondre à ces questions, plusieurs invités sur notre plateau. Le professeur Cyril Chaussegros, chef du service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital de la Timone. Le docteur Audrey Gallucci, praticien hospitalier au sein de ce même établissement. Et le docteur Rémi Strumsa, assistant chef de clinique. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, cette chirurgie maxillofaciale porte sur le visage, mais elle s'intéresse aussi aux mâchoires et à ce qu'il y a autour. Est-ce que les dents de sagesse, c'est aussi votre partie? Oui, bien sûr. Les dents de sagesse, c'est une un des axes de la spécialité. C'est quelque chose qui amène souvent les patients à venir consulter dans le service. Et c'est un soin ambulatoire ou bien une opération qui nécessite de rester plusieurs jours à l'hôpital? Alors, c'est des soins qui se font effectivement actuellement en ambulatoire. C'est d'ailleurs un des grands axes actuellement d'économie de la sécurité sociale. Et nous faisons partie avec les ophtalmologistes des spécialités qui sont les plus impliquées dans l'ambulatoire. Alors, on a recours à cette chirurgie aussi pour réparer des troubles de croissance des mâchoires. On parle là de proniacie ou de rétroniacie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On a justement des images de radio qui vont nous permettre de mieux comprendre sur cette image, par exemple. Ah ben, sur cette image, on peut voir que la mâchoire inférieure, donc la mandibule, donne la sensation d'être très en avant. Donc, c'est ça qu'on appelle couramment un prognathisme. Il faut savoir que parfois, l'anomalie de croissance, elle peut venir aussi de la mâchoire supérieure, à savoir le maxillaire, et que parfois, l'impression de prognathisme, elle est en fait liée à un défaut de croissance de la mâchoire supérieure, avec une mâchoire inférieure qui paraît excessivement grande. Et puis, il y a l'inverse aussi, donc qui est possible. Un rétrognathisme, tout à fait, avec cette fois-ci, comme on le voit sur cette radio, la mâchoire inférieure, la mandibule, qui apparaît très en retrait de la mâchoire supérieure. Et là encore, les gens, la sensation qu'ils ont, c'est surtout d'avoir les dents du haut en avant, alors qu'en fait, le problème de croissance, il est plutôt sur la mâchoire inférieure. Docteur Strumsa, est-ce que le premier traitement, ce n'est pas d'abord un appareil dentaire, tout simplement? Alors, c'est ce qui est usuel. La plupart du temps, c'est vrai qu'on commence par un traitement orthodontique, c'est vrai qu'un appareil dentaire, pour ensuite prévoir une chirurgie. Dans certains cas, ce qu'on voit depuis quelques années maintenant, c'est aussi la tendance de venir opérer en premier pour rectifier des bases osseuses qui doivent retrouver leur place habituelle. Et puis ensuite, l'orthodontiste termine le travail avec un appareil dentaire. Donc les deux sont possibles. Et dans quel cas est-ce que l'orthodontie ne suffit pas, du coup? Ça va dépendre un petit peu des patients? Dans des cas de grandes anomalies des bases osseuses, avec des défauts de croissance, soit au maxillaire, soit à la mandibule, soit aux deux, et qui vont nous amener à devoir corriger aussi les bases osseuses en elles-mêmes. Alors, il y a évidemment une question esthétique, mais aussi des problèmes fonctionnels. On peut avoir des difficultés à parler, à manger? Tout à fait. Les difficultés à parler, les difficultés à manger font que ce type d'interventions sont prises en charge par la Sécurité sociale, bien sûr. Et une autre des raisons pour lesquelles les patients viennent, c'est une raison esthétique. C'est celle-là qui les amène le plus souvent à consulter, même si c'est vrai qu'il y a aussi des anomalies fonctionnelles qui sont particulièrement gênantes pour ces patients. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ce reportage tourné à l'hôpital de la Timone où un jeune patient revient un an après sa première opération des mâchoires. Quentin est né avec une mâchoire inférieure rentrée de 8 mm par rapport à la mâchoire supérieure. Il a été opéré il y a un an. Mais j'arrivais pas à articuler en fait. Je parlais vite. Et même pour le manger, c'est pas pareil. Le menton en fait était en arrière. Et j'avais un creux au milieu en fait. Mes dents du fond ne touchaient pas les dents du haut. Après la remise en place de ses mâchoires, l'adolescent de 17 ans revient dans le service pour une ultime opération. On casse les mâchoires pour soit les reculer, soit les avancer, et on les fixe avec des petites plaques, avec des vis, comme on fixe une fracture d'un membre par exemple. Et donc l'année d'après, on procède à une intervention chirurgicale beaucoup plus simple que la première, bien évidemment, pour enlever le matériel. Et donc, Quentin est venu pour être opéré dans la journée
de façon à ce qu'on lui enlève ce matériel. Les professionnels ne parlent pas d'une chirurgie de routine, mais d'une pratique habituelle depuis une vingtaine d'années. Je cite toujours un exemple typique qui était Charles Quint, qui était la famille des Habsbourg, où ils avaient ce qu'on appelle un prognathisme effrayant, avec une mâchoire du bas qui dépassait de 2 à 3 cm la mâchoire du haut. Et bien évidemment, ils n'ont pas été opérés, ils restaient avec leur difformité, et cette chirurgie a été mise en place. Cette chirurgie, avec les techniques modernes, a été mise en place dans les années 60-70, et puis disons que vers les années 90-2000, elle est vraiment passée dans la pratique courante. Avec un temps d'hospitalisation réduit, 3 jours en moyenne, contre des mâchoires bloquées pendant plus d'un mois dans les années 80. Docteur Gallucci, la durée du suivi post-opératoire, c'est peut-être l'une des principales évolutions dans cette chirurgie ? Alors, le suivi post-opératoire, il se fait sur plusieurs années après la chirurgie, notamment parce que parfois on intervient avant la fin de la croissance et que donc on suit l'adolescent jusqu'à la fin de sa croissance. Et donc dans les premiers mois, on a un suivi de clinique et radiologique pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications, que le patient se remet bien, que la consolidation osseuse évolue bien. Et puis effectivement, à un an, on enlève le matériel et c'est aussi l'occasion de refaire le point avec le patient de ses demandes, de ses désirs, de ce qui lui semble encore perfectible ou de ce qui lui convient bien. Oui, parce que ce jeune patient a été opéré à l'âge de 17 ans, il fallait attendre que sa croissance soit terminée, pas le faire trop tôt ? Alors c'est des choses qui évoluent là aussi encore, c'est-à-dire qu'avant on avait tendance à attendre que la croissance soit complètement terminée pour corriger ce qui restait à corriger. Dans certains cas particuliers, on peut être amené à opérer de plus en plus tôt ou à proposer de manière concomitante une prise en charge orthodontique très tôt aussi pour essayer d'avoir le moins possible à corriger par la chirurgie après. Donc là aussi, une grande évolution sur les dernières années. Et il est possible de commencer à manger normalement, de remanger normalement au bout de combien de temps ? Après l'opération ? En règle générale, c'est un mois et demi après l'intervention. C'est vrai que la période juste après l'intervention, les patients se retrouvent avec des élastiques entre leurs dents du haut et leurs dents du bas. Ils sont obligés de manger des choses liquides ou des choses molles. Et l'alimentation recommence à se faire. C'est à partir d'un mois, un mois et demi. Est-ce que des séances de rééducation sont nécessaires ? Non, le plus souvent, ce n'est pas nécessaire. Si on est en fait tout seul et les mâchoires recommencent à fonctionner normalement toutes seules. Alors, le chirurgien dans le reportage parlait de toi, décidé de casser les mâchoires. C'est un geste fort, ça peut faire peur ? Oui, effectivement, ça arrive fréquemment quand on explique l'intervention. Mais d'ailleurs, on prévient les patients que ce qu'on va leur dire peut être un peu impressionnant. Que oui, il faut faire une fracture, mais c'est une fracture contrôlée, c'est une fracture à l'endroit où on le souhaite. Et voilà, par contre, les suites, elles sont assez surprenantes par rapport à l'intervention et à cette idée justement de casser les mâchoires. C'est une chirurgie qui est peu douloureuse. Elle n'est pas très confortable les premiers temps parce que les gens sont gonflés, parce qu'ils ne s'alimentent pas normalement. Mais en tout cas, elle est peu douloureuse. Avec des outils qu'on peut voir à l'image, il y a un marteau. Des outils d'ébéniste. Ouais. C'est un peu du bricolage. C'est comme travailler le bois, oui. Et c'est une chirurgie dite courante. Elle est quand même lourde. C'est une chirurgie qui est courante pour nous qui la pratiquons souvent. Lourde de moins en moins aussi parce qu'on progresse sur les techniques opératoires, sur les techniques d'anesthésie, sur les techniques de prise en charge de la douleur et de l'œdème en post-opératoire. Donc de moins en moins lourde, c'est une grosse chirurgie mais qu'on contrôle de plus en plus et qu'on maîtrise de mieux en mieux. De moins en moins lourde avec un recours à l'endoscopie possible ? Oui, l'endoscopie peut améliorer la précision des gestes parce que c'est des endroits, vous le voyez sur le reportage, où on est en profondeur, on n'y voit pas très bien. Par contre, pour revenir sur le point de la lourdeur de cette chirurgie, c'est vrai qu'on a fait d'immenses progrès depuis les années 60 et qu'actuellement, c'est des chirurgies qui se font en 1, 2 ou 3 heures selon le type de chirurgie. Et dans certains pays, ça se fait maintenant pratiquement en ambulatoire. C'est vraiment devenu quelque chose de routine. Et avec des résultats définitifs, au bout de combien de temps ? Les résultats définitifs sur le plan esthétique, il faut compter 2 à 3 mois le temps que tout se remette en place. Et pour le patient, donc, ces incidences esthétiques, on en parlait. Pour un jeune garçon ou une jeune fille, on peut imaginer qu'à l'école, il peut être l'objet de railleries ouais. Avec ses camarades. C'est peut-être ce qui l'incite à venir vous voir. Alors, en tout cas, les adolescents,
c'est ce qui leur permet de mieux accepter le geste chirurgical, parce que parfois, eux, ils sont là parce que leur orthodontiste a dit aux parents qu'il faudrait les opérer, donc ils ne savent pas trop. C'est quand même un mois et demi où ils ne sortent pas trop de chez eux, ils ne voient pas trop leurs copains. Donc ce qui les aide à accepter tout ça, c'est effectivement le fait qu'il y ait une amélioration esthétique et que pour certains, il y avait une vraie souffrance de ce défaut de croissance. Donc, c'est aussi ça qui nous a amené à opérer maintenant avant la fin de la croissance. C'est que chez des jeunes qui avaient des gros décalages squelettiques et donc avec un retentissement esthétique important, il y avait un réel intérêt pour eux à les opérer avant la fin de la croissance. Alors il y a cette chirurgie de remise en place des mâchoires, mais vous intervenez aussi dans le cas de cancer de la cavité buccale par exemple ? Oui, tout à fait. On va être amené à devoir opérer donc des cancers de la cavité buccale qui des fois vont intéresser que les parties des tissus mous, hein, c'est-à-dire les gencives, les muqueuses, mais où des fois on est obligé de faire le sacrifice de grandes parties d'os, que ce soit sur la mandibule ou sur le maxillaire. Alors avec là aussi un résultat qui est pas du tout la recherche de quelque chose d'esthétique, hein, mais d'essayer d'être le plus fonctionnel possible, donc avec des techniques de reconstruction diverses qu'on peut être amené à utiliser. Pour enlever des kystes sur les mâchoires aussi par exemple ? Oui, les kystes, c'est des choses simples. Par contre, c'est vrai que pour ce qui concerne les cancers, les premiers temps de la chirurgie, c'était d'aller enlever la maladie et on s'arrêtait là. Le patient était guéri, on était content. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une partie esthétique et une partie fonctionnelle qui est importante et les patients sont très demandeurs d'une reconstruction la plus proche possible de ce qu'ils avaient avant d'être opérés, bien sûr. Et de ce côté-là, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Alors, certains patients souffrent d'une décalcification de leur mâchoire. Dans ce cadre-là, ils prennent des médicaments et il y a une polémique aujourd'hui à ce sujet-là, une importante polémique, justement, qui dirait que ces médicaments sont nocifs. Comment est-ce que vous l'expliqueriez ? Il y a un problème de santé publique, c'est vrai, avec les médicaments de la décalcification osseuse, de l'ostéoporose. Ces médicaments qui appartiennent à une classe qui s'appelle les bisphosphonates. Et il y a des millions de patients de par le monde qui prennent ces médicaments. Et il faut faire un suivi très strict au niveau de leur cavité buccale parce qu'on sait que s'il y a des problèmes au niveau de leurs dents, ces gens risquent d'avoir des infections de leur mâchoire qui peuvent parfois être très sévères, très douloureuses. Donc il faut réellement les suivre ? Il faut qu'ils se fassent suivre par leur dentiste au minimum tous les 3 à 4 mois, tous ces patients qui sont sous ces médicaments de la décalcification. Concernant les cancers de la cavité buccale, est-ce qu'on connaît leur origine ? Alors, principalement, l'épidémiologie de ces cancers-là, c'est le patient fumeur et le patient alcoolique, ou du moins qui a une grosse imprégnation tabagique. Donc, c'est les deux principaux facteurs de risque, c'est-à-dire alcool et tabac. Après, malheureusement, dans des cas beaucoup plus rares, ça peut arriver aussi sans qu'il y ait de facteurs de risque identifiés, mais surtout la prévention du tabagisme et de l'alcoolisme, principalement. Vous vouliez réagir, docteur Ganouchi ? Actuellement, un des nouveaux facteurs de risque qui est mis en évidence sur les tumeurs de la cavité buccale, c'est l'infection au papillomavirus. Qui devient problématique aussi dans notre domaine et qui en progression. Ouais, notamment chez les femmes jeunes. C'était pas le patient habituel pour la cancérologie de la cavité buccale. C'était plutôt le patient type. Effectivement, c'était plutôt l'homme de 50-60 ans, gros fumeur. Et aujourd'hui, de plus en plus souvent, malheureusement, on a des patients de plus en plus jeunes et sans facteur de risque, comme le disait le docteur Stromza. Et dans ce cas-là, on peut retrouver une infection chronique au papillomavirus. Alors, la chirurgie maxillofaciale, c'est aussi des opérations en cas de traumatologie faciale. Et là, on pense peut-être en premier lieu aux accidents de la route ? Oui, alors heureusement, avec les limitations de vitesse et les radars, il y a moins d'accidents de la route et donc moins de traumatismes de la face qu'il y a quelques années. Malgré ce, il en reste encore quand même beaucoup. Et cette chirurgie, elle a été développée particulièrement au début du XXe siècle avec les problèmes de la guerre et des reconstructions qui ont été liées à ça. C'est là qu'elle est née ? C'est là qu'elle est née, oui. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits concernant cette reconstruction des traumatismes de la face qui doit tenir compte de quelque chose de très important qui est l'emboîtement des dents puisque au niveau du visage il y a quand même le problème des mâchoires et la spécificité de cet emboîtement et de cette fonction de la mastication et également de la parole. Est-ce qu'il y a de plus en plus de traumatisés faciaux ou pas du tout ? Moi je dirais que oui.
Oui, de plus en plus, par rapport aux accidents de la route, oui, c'est vrai qu'il y a les limitations de vitesse, il y a les airbags, il y a plein de choses en plus qui font que... Voilà, mais on a plus d'accidents de deux roues avec des casques qui ne sont pas forcément des casques intégraux, donc avec un massif facial qui est exposé en première ligne. Puis après, les accidents de sport, les accidents du travail, hein, donc ça fait partie encore d'une grosse part de notre activité, oui. Et alors, avant de parler dans le détail de cette reconstruction du visage, je vous propose de regarder le témoignage d'Erin Lynn. Elle a été renversée par une voiture alors qu'elle circulait à moto l'été dernier à Marseille. Cette jeune Américaine revient régulièrement pour de nouvelles opérations. Moi, j'étais à la réanimation et ma famille est venue des États-Unis et montrer des photos de moi. Qu'elle regarde, parce que vraiment, on ne me reconnaissait pas du tout. Hein. C'est un long parcours du combattant, hein, c'est ça? C'est beaucoup d'opérations, c'est long? Ça fait déjà 8 mois, donc il me reste peut-être un an ou deux. Là, on va refaire un peu les cicatrices et la bride qui est là. On va découper la bride qui est là. Il faut refaire l'os de la gencive parce que voilà, j'ai aussi perdu des dents et tout ça. Et l'œil droit, il faut refaire aussi. Et on peut expliquer, le nez ne sera pas comme il était avant, mais on arrivera peut-être à presque ça. Mais bon. Comment s'est passée sa dernière opération ? Ça s'est bien passé. Donc c'est ça, il fallait refaire un petit peu les cicatrices qu'elle peut avoir sur son visage ? Alors il y avait deux choses. Elle avait un creux au niveau de la tempe droite qui la gênait esthétiquement et qu'on a pu combler. Voilà. Et après, fonctionnellement, elle était très gênée par des brides cicatricielles au niveau des plaies qu'elle avait initialement et des voies d'abord chirurgicales au niveau de sa mâchoire inférieure. Et donc on a libéré ces brides pour qu'elle puisse être moins gênée dans sa vie de tous les jours, pour manger, pour parler. Alors ces opérations interviennent après un accident de la route. Dans son cas, est-ce qu'on parle de chirurgie esthétique ou pas ? Non, c'est de la chirurgie réparatrice. C'est pas une lubie chez Erin de vouloir une amélioration de l'aspect de son visage aujourd'hui. C'est vraiment de la réparation. C'est essayer de l'amener progressivement à retrouver au maximum son visage d'avant l'accident. Et donc il déclenche un remboursement par la Sécurité sociale ? Ouais. Toutes les interventions qui vont découler de cet accident sont prises en charge par la Sécurité sociale, à l'exception de la pose des implants dentaires. Elle va en avoir besoin parce qu'elle avait perdu... 7 dents, je crois, ouais, qu'elle m'a dit, oui. Ouais. Pendant l'accident, et que ça, pour l'instant, malheureusement, les implants ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale, quelle que soit la cause de la perte des dents. Donc c'est un peu... Et l'objectif, c'est bien sûr de reconstruire un visage pour ce patient accidenté le plus proche de celui qu'il avait avant l'accident. Tout à fait. Alors, selon le type d'élabrement, évidemment, la reconstruction sera plus simple ou sera plus difficile. Et à l'extrême, on peut même retenir la greffe de visage qui a été faite pour la première fois dans notre pays. Donc, je pense qu'on peut en être fier. C'était en 2005 et c'était une équipe de chirurgie maxillofaciale du CHU d'Amiens qui a effectué cette réparation de toute la partie basse du visage. C'était une première mondiale. Depuis, la France est le pays où il y a eu le plus de greffes de visage qui ont été effectuées. La majorité sur Paris, dont certains patients marseillais qui ont été adressés sur Paris et qui ont été donc traités en collaboration avec le CHU de Marseille. Alors on tente de s'en rapprocher le plus possible de ce visage perdu, mais on ne peut pas forcément y arriver complètement à 100%. Malheureusement, vous avez tout à fait raison, ça n'est pas toujours possible de refaire le visage de façon tout à fait identique avant l'accident. On essaie de s'en rapprocher le plus possible, mais il y a des fois où on n'y arrive pas, bien sûr. Et comment est-ce que vous procédez? Vous travaillez à partir de photos, c'est ce qu'Erin disait en tout cas dans cette entrevue. Exactement, c'est-à-dire qu'on demande souvent aux patients de nous fournir des photos d'avant l'accident. Ça nous permet d'avoir une idée, alors notamment pour la pyramide nasale par exemple, pour le nez, savoir un petit peu la projection du nez avant. Après, bien entendu, on se fie aussi quand même beaucoup aux bases osseuses, hein, qu'on essaye de reconstruire en rassemblant le puzzle en quelque sorte. Ensuite, voilà, on s'inspire des photos d'avant, mais ça se fait étape par étape, hein, sachant qu'on peut difficilement tout refaire d'un coup. Souvent, c'est plusieurs interventions, les unes à la suite des autres, hein, en laissant du temps entre chaque intervention pour voir comment le visage évolue. Et voilà.
Oui, c'est ça. Erin disait qu'elle a été opérée 6 fois dans les 2 premières semaines qui ont suivi son accident. Ensuite, de nombreuses opérations sont encore planifiées. Pourquoi faut-il opérer autant de fois ? Dans l'immédiat, dans les suites immédiates de son traumatisme, il y a eu plusieurs intervenants. Elle avait un gros traumatisme facial, mais elle avait aussi des traumatismes des membres. Donc, il y a un problème de matériel, en fait, dans ces cas-là. On ne peut pas, au même endroit, avoir tout le matériel dont ont besoin les orthopédistes et les chirurgiens maxillofaciaux. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça a été une des raisons des nombreuses opérations dans un premier temps. Et puis dans la suite, comme le disait Rémi, le problème, c'est d'arriver à échelonner les chirurgies. Il y a des choses qu'on doit faire en priorité, c'est restaurer les bases osseuses avant de toucher à ce qu'on appelle les tissus mous, donc qui sont plus la peau et les muscles. Et parfois, on ne peut pas tout faire en même temps parce que... Au niveau du visage, une des difficultés qu'on a, c'est que quand on intervient, on a rapidement beaucoup d'œdèmes et d'hématomes qui s'installent. Donc ça fausse un petit peu aussi la vue qu'on a pendant l'intervention de la symétrie, par exemple, qui est un des critères importants pendant notre intervention. Donc voilà, ça nous amène à faire plusieurs interventions pour arriver au résultat le plus proche possible du visage que souhaite le patient. Oui, c'est ça, il faut peut-être attendre un petit peu de voir comment ce visage évolue opération, avant d'en faire trop, entre guillemets. Oui, le risque, si on fait toutes les opérations à la fois, c'est de ne pas arriver à prévoir le résultat définitif. C'est pour ça qu'il est préférable d'y aller par étapes. Et il arrive assez souvent qu'on ait l'agréable surprise de se rendre compte que finalement, une opération qui était programmée n'est plus nécessaire parce que l'intervention précédente a donné un résultat largement suffisant pour le patient et également pour son chirurgien. Puis un aspect psychologique important, on peut être aussi surpris de voir son visage évoluer, on peut se sentir mal à la vue. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des modifications importantes du visage quand on fait ce type de chirurgie, surtout quand il y a des décalages qui sont très sévères. Et il faut préparer le patient psychologiquement à ces changements. Ce n'est pas toujours évident de prévoir à l'avance comment le résultat esthétique va être et surtout comment le patient va le ressentir. J'ai le souvenir de cette patiente qui avait eu une opération importante. On lui avait fait 3 opérations en un seul temps. Et il y a un parent qui est rentré dans sa chambre après l'intervention et qui ne l'a pas reconnu et qui est ressorti de la chambre croyant qu'il s'était trompé. C'est une reconstruction faciale qui peut prendre plusieurs années. Complètement. Complètement. Il y a souvent une phase initiale où il y a quelques interventions indispensables qu'on fait dans un laps de temps qui peut durer quelques mois, quelques années. Après, il peut y avoir des retouches beaucoup plus tardives ou des souhaits du patient beaucoup plus tardives. Mais oui, et ça doit s'échelonner sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est vrai que là aussi, il faut prévenir les patients de ne pas être trop pressés. Et dans quel cas est-ce qu'on peut envisager une greffe du visage ? Est-ce qu'Erin, par exemple, pourra en bénéficier ou pas ? Erin, les atteintes que présente Erin, ce n'est pas vraiment les indications de greffe de visage. Parce que chez Erin, le problème, il est beaucoup osseux. Il y a un problème de cicatrice aussi, comme c'était un accident de deux roues. Bah, vraiment, le visage, il est particulièrement exposé. Donc, elle a des cicatrices, mais elle a surtout des bases osseuses qui ont été très endommagées. Et pour l'instant, ça, sur la greffe de visage, ça reste encore une partie à développer, l'apport de tissus osseux. Pour l'instant, la greffe de visage, c'est essentiellement justement ce que je vous disais sur les parties molles. Qu'on a un gain, donc non, Erin n'allait pas encore. Une chance. Mmh. Professeur Chosgros, vous nous parlez de cet exemple, cette anecdote. Est-ce qu'il y a d'autres opérations, d'autres histoires que vous gardez en mémoire dans votre service ? Par rapport à ce type de reconstruction, oui, j'ai souvenir d'un patient qui avait eu un gros délabrement après un accident avec une arme. Et j'ai souvenir de quelqu'un de la famille qui avait dit « Mais maintenant, il souhaite avoir un nouveau visage qui n'était pas celui d'avant. » Et il nous montre la photo d'un chanteur très célèbre à l'époque. Évidemment, qui donc qui était Rock Voisine. D'accord. Et bien évidemment, c'était tout à fait impossible d'arriver à refaire le visage comme le souhaitait le patient. Ce n'était d'ailleurs pas le but des opérations prévues pour lui. Docteur Stromsa, on le voit, beaucoup d'émotions parfois dans ces services. Vous aussi, est-ce qu'il y a une histoire, une belle histoire ou moins belle peut-être que vous avez en mémoire ? Pff, particulier, non, comme ça, de premier abord, je ne vois pas d'anecdote. Il est encore trop jeune. Oui, exactement. C'est toujours en tout cas des histoires particulières. Hein. On rentre dans l'intimité de ces patients. Ah oui, comme
on les rencontre pour un problème qui touche à leur visage, donc à l'image qu'ils ont d'eux, c'est forcément quelque chose d'assez intime. Et donc ça nous met dans une relation tout à fait particulière avec eux. Ouais. Oui, puisque vous les connaissez, vous les suivez parfois pendant plusieurs années, eux et leur famille. C'est ceux qui en tissent le plus de liens finalement, les patients de traumatologie grave, et de cancérologie. De cancérologie, on les voit comme ça. Mm-hmm. On les accompagne, enfin, on les suit pendant des périodes vraiment douloureuses de leur vie, donc ça nous lie. Des liens étroits. Oui, des liens très étroits. Et pour revenir au côté esthétique de ce type d'intervention, on a un certain nombre de patients, il y a des questionnaires qui ont été faits, on a un certain nombre de patients pour lesquels le résultat esthétique est superbe. Le chirurgien est content. Si on montre les clichés à quelqu'un qui n'a pas soigné ce patient, on trouve que le résultat est parfait. Mais des fois, le patient ou sa famille ne sont pas du tout satisfaits du résultat, même si le résultat est excellent. Donc c'est toujours difficile de pouvoir dire au patient à l'avance comment lui-même va pouvoir ressentir le résultat de ses interventions. Comment lui-même va réagir, il ne le sait pas. Absolument, absolument. Eh bien, merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de l'émission C'est la santé, des magazines que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet lcm.fr.